Tambedou. Tambedou, donc député. Député au Dakar, capitale du Sénégal. Il y a un peu de jafé au Sénégal. Il y a un peu de Dakar, il y a un peu de jafé au Sénégal. Il y a un peu de député. Un peu de jafé. Mais comme au Sénégal, il y a plus l'année. 7 députés. Par les populations sénégalaises, fil en est presque la majorité des Sénégalais. C'est là que nous région beaucoup plus riche au Sénégal, parce que si on compare à sud, à nord, il y a plein de Dakar à part jeune à immeuble, mais où trop à ressources. Mais capital. Pratiquement. Pratiquement. Mais l'activité commerciale aussi développée. L'activité commerciale doit faire développer parce que moi capital, exode rural, ni jogger ici dans la région Iyep, ni Nyo, parce que bon, c'est la capitale économique également du Sénégal. Quand on joue Iberine, défi Iberine. Nga bok si pastef. Nga suscité espoir bu mak parce que man sumay xol xalé yi nuñ len topé nuñ len dugloué nuñ len di nangulé yeen say damay né sama gaay am nañu chantier rayna lol hein c'est sûr ban taxaway ngeen fassiyéné am pour que lolou mëna en tout sudul lepp sorti wul sax mënul né au moins ni ñi len votel ñi len nangul li ñi gëna xaar ci yeen ngeen tek ci ay djégo yu am solo. Wow, merci beaucoup. Je pense que les Sénégalais en général, là, ils vont parce que le projet de Pastef, c'est les Sénégalais qui ont accaparé. Les Sénégalais en général, donc nous ont fait confiance, effectivement, parce que nous avons un projet. Donc, un discours que peut-être ça a vraiment convaincu plus d'un. Mashallah, les Sénégalais de nous adhérer en masse à ce projet. Nous, ce présidentiel, nous avons plus de 54%. Nous avons utilisé la TV aussi, de fait, donc confirmé l'eau. Donc je pense que nous avons l'eau de pour réunir. Et Inch'Allah, nous allons essayer de relever tous ces défis-là. Parce que les attentes sont nombreuses. Les Sénégalais, ils ont besoin de Rémi, bien que je le fasse, il y a des conditions difficiles, du métier. Beaucoup de fait secteur bonheur rek nanaka machallah ñun ñangi joy donc ñu am yaakar ni ak li ñu jaay sénégalais ak yene bi nga xamne am nañ ko yalla dinañ jappalé su ko defé ñu mën ko matal Dakar nak Issa bala nga koy jox ben question Dakar jafé jafé am bu gëna bak logement bokku ni logement Dakar Dakar mënul nek l'une des villes les plus chères au monde ça logement bi kessé hein logement du logement bi rek Dundubi. Mobilité. Dundubi. C'est vrai, Dundubi fait plus au Sénégal parce que bon, sauf que le centre rural, mais ça y est, ressources. Nous avons des gens ici à l'Ubinio Dundéko. Mais le chantier est le plus Sénégal, Dakar, c'est le bon. Je pense que actuellement, nous sommes au gouvernement. C'est tout logement. Nous travaillons vraiment sur le cadre. On a activé la SICAP et la SNHLM. Actuellement, moi j'en sais quelque chose parce que je connais les deux directeurs. Ils sont en train de travailler sur des programmes de logements sociaux. Et aussi, l'anglais ligué. Man tu vois le génie civil là, il ligué. Génie civil. Voilà. Ok. Donc quoi le tabac. Donc je suis dans ce cadre là. Donc la SICAP, la SNHLM, il y en a des promoteurs privés de domaine. En tout cas, l'État du Sénégal, il fallait que tu optes où faire pour Sénégal, le Sénégal a besoin d'un toit. Je pense que nous avons beaucoup de sous programmes que les Dungogis. Et Inch'Allah, nous avons vraiment comme tu l'as sous carton. Ce qu'on fait vraiment, comme nous l'avons dit, Sénégalais, vous avez un toit. Parce que l'autre, c'est que l'on sait, il faut sécuriser. Parce que la location, il faut mettre. Imagine, mon secteur de modèque, côté HTM, Grand F. Mais un appartement, autour de deux chambres salon, on trouve ça à 250 000, 300 000 francs. Imagine si tu as un salaire, tu as un appartement maintenant, tu fais un salaire. Donc, ce n'est pas du facile. Donc, la location, il faut sonner Sénégalais. Et Inch'Allah, si le gouvernement a été ligué, d'un soulage sénégalais, il y a très bientôt un résultat. Un Sénégalais, un toit, ce sera une réalité dans ce pays-là, Inch'Allah. Oui, Ibrahim. Oui, Issa. Honorable, il faut que je vous dise que vous avez dit 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 que question avez dit que vous avez dit que indi honorable sama question bi li nga xamantene moy mbayam koto mbayam koto manam agriculture de manière générale moy ben question ban taxawa ngeen ci am manam ñu dem ba nga xamantene suñu souveraineté ci walu solo dañ koy amat
ñu fexé tamit ba nga xam li di made in Sénégal ndax dafa bok ci lima gëna gëm made in Sénégal lu doomu Sénégal di défar lu doomu Sénégal parce que parfois sa dama nan made by Sénégal duma sax made in Sénégal man nga def défaré ci bir réew mi té du doomu Sénégal manam nañ koy défaré ci réew mi doomu Sénégal diko défar ñëpp jariño ci lolu ban taxaway ban loi ngeen ci bëgg indi wala bu féké né amo leen ci lolu leen ci indi ban taxaway ngeen ci bëgg taxaw ba nga xamantene véritablement sénégalais bi dina ci gis bopam wa lolou day delu ci rek ci li nga xamni waxon nañ ko sénégalais yi manam li leen jaayoon bokku na ci doon toujours ñu revendiquer la souveraineté donc économique parce que c'est très important tay ji béré na ay mbir yu béré yo xamni tay ji danaka doomu sénégal ñokoy défar ñu war ko jaay sénégalais yi mu wara indi ben prévalue wara indi bak bok ben manam wara tourner économie bi su ko defé secteur bu nek ko gissa bop je prends un exemple hein tay ji tenue ñu son les tenues traditionnelles là certes c'est vrai que yeri yi bazin yi jogo fi quoi mais quand même ay sénégalais ñom ñokay ñaw mais tay ji bo xolé amna suñu femme yo xam day def ay teinture gis nga bo xolé jamono passé suñu leader le président Ousmane Sonko son na fi chemise bo xamné batik la am teinture ta bi ñu ko solé machallah gis nga sénégalais accaparé wu non ko donc nit ñi bëgg ko commencer diko sol donc yoy ay mbir la yo xamni c'est important li jëm ci walu dal yi par exemple nga xamni bo démé angay sunu gaay nek for yi defar ay dal yu rafet donc lolu aussi nek na ay mbir yo xamni bokku na sunu programme comme je le disais donc fexé ba li ñi defar fi ci réew mi ñukoy consommer su ko defé sénégalais diko jënd mu am vraiment lu mu mëna dolé ci sunu économie dafa nan lolu mom def na ni yag nañ ci wax ñun au niveau donc de notre parti et je pense que inchallah il en sera ainsi comme que Dakar nga deuk en dehors de problème de logement mais on a problème sécurité publique aussi hein Dakar c'est pas l'une des villes les plus sécurisées c'est vrai que amna jégu yu mag di yu ci def si ak wér ñu jogé mirum élevage mirum agriculture mirum pêche lan ngeen japp ni gouvernement bi wone si wone tek ben projet nu mu gëna gaawé assemblée voter ko pour que nous puissions développer le secteur UFI, par exemple, si la région de Dakar. Voilà, le secteur UFI est un secteur UFI, parce que le monde peut développer un bail, l'élevage. Aujourd'hui, si on regarde, on n'a pas encore atteint l'autosuffisance alimentaire au Sénégal. Pourquoi? Parce que le secteur UFI, le secteur pêche, le secteur élevage, il faut le minimiser. C'est-à-dire, les États qui ont fait ça, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Moi, je dis qu'actuellement, il faut qu'on investir dans ce qu'on doit investir dans le bail. Daf ko ci cham gi daf ko ci nap bi kon tay on aurait atteint le taux de alimentaire mais malheureusement ce qui s'est passé gis nañ ko par exemple je prends un exemple geji muy nap gi les états qui étaient là donon jaayon ay licence de pêche du dier ay bateaux étrangers di fi ñeu ak seeni ay chalutiers ay bateaux yu mag di nap jeun gi ñun ñu am 750 km de littoral mu ñu lek jeun lolu aussi xam nga problème la mais tay ji alhamdullah je pense que ñepp suivre nañ ko licence yi nga xamni mo lié won entre le Sénégal et l'Union européenne defena ni dañ na donc les gens vont pouvoir aller pêcher ce qu'on fait nous servir les Sénégalais nous vraiment lek du poisson de bonne qualité en même temps après nous exporter le prix au bénéfice des Sénégalais honorable ñaari question yo xamantene meun ñu lako baña poser par rapport ak enjeu bi nga xam moy Dakar ben bi moy pollution ban loi ngeen feuskene jël pour walu pollution bu muy ben benen walu pollution bi la pollution gis nga pollution dafa am doole mais climat bi waaw té faaw véritablement ngeen pollution sonore bi parce que aussi pollution de manière large voilà benen question bi ba légui moy érosion côtière dafa am solo beaucoup de localités en souffrent yow mi nga xamantene député Dakar nga ban taxaway nga ci mëna taxaw manam jël en charge li nga xam moy préoccupation li ñu tuddé ci Sénégal la grande côte bi day joggé Dakar dem ba ca kaw donc yow mi nga xamantene député Dakar nga ci wallo yoyu pollution bi ak ci wallo érosion côtière bi ban djégu nga ci bëgg taxaw nga ci bëgg def érosion côtière moy geejgi nu muy lekké effectivement je pense qu'on a suivi des commentaires par rapport à ça je pense qu'il y a trop je sais pas sur quelle chaîne amna ben france ban ko dekk la mais pratiquement geejgi mi ngi lek bu baakha baax dekk bi danaka dekk way yi danaka bo yar cela 2 ans geejgi fim tollu pratiquement parce que yobuna ay keur yu beure donc lolou def na c'est un problème différent problème bo xamni faaw ñu taxaw ci faaw ñu sécuriser donc les côtes faaw ñu sécuriser aussi les populations et je suis sûr et certain qu'inchallah buñ ci eggé
sunu gouvernement dina ci def vraiment liñ ci war def à notre niveau ñun nga xamni ñu parlementaire yi loi yi nga xamni ou bien projet yi nga xamni war nañ ko voter ou bien suggestion yi nga xam war nañ ko dox ministère yi nga xamni ñom ñoo gérer donc wal wow je pense que ni lolu defena ni ministère de l'environnement ci la bok hein cadre de vie je pense que ñom ñep donc c'est ce domaine là on va en parler inchallah on va trouver des solutions bu nexé yalla donc comme ni solution yi nga xam ni dañ ko trouver vraiment ci jafé jafé yi nga xam ni sénégalais dañ koy jankonter bu dégg ba ci quoi amna leen tamel lu ñuy xaar ci député yi moy taux d'absence d'absentéisme bi bu ñëk ba député yi ah j'espère que yenn digène gëna présent ci assemblée bi pour voter loi mais question s'il vous plaît question vrai ça inchallah on sera là vraiment amna question pour vous honorable parce que sénégal dañu fal pour lolu donc on va faire le boulot inchallah honorable amna question pour mu andal du absentéisme rek dé amna luñu tuddé présentéisme manam da fay melni yaangi tew té dañu fogné sax néko fi présentéisme moy lan tamit pour être clair député nga waye kenn dula sentir lolu bokk na ci tamit waaw ngay nelaw ak yoy yeb bokk na tamit liñ wara xex ibrahim téléphone lu yag ni waaw ñun nak ñun député passé fi ñun ñëpp han danaka dama ay dafa am bénn défi bo xamni fokk ñu relever ko ay comme ñu koy faral di waxe rek on a toujours dit qu'on va faire les choses autrement donc rupture lañ wax té amna yakane inshallah vous verrez vraiment une 15e législature bo xamni donc dina marquer vraiment donc les sénégalais donc vrai comme je l'ai dit hein, on va faire le boulot inchallah voilà merci man ngi fi def comme ñu dem ci Kaffrine 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 Abdoulaye Thomas Faye Kaffrine am nañu